bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Mister B-Boy 45, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos incroyables aventures sur Alien Isolation avec l'épisode 16, toujours en live sur ma chaîne Twitch MR B-Boy 45, évidemment, tous les mardis, et ça fait plaisir, on aime Alien, on aime le mardi, on aime Twitch, on aime Mister B-Boy 45, on aime YouTube, n'oubliez pas le petit j'aime et le petit commentaire, ça fait extrêmement plaisir comme à votre habitude et comme à notre habitude. On est parti, on était juste en face de ce magnifique robot qui est malheureusement this day. Et on devait avancer dans la terreur de ce vaisseau, évidemment. À savoir qu'il y a apparemment beaucoup de trucs là-dedans, mais quasi impossible d'y aller. Donc, on doit rétablir le courant. Aucun souci. On avait affronté un méchant robot. Vraiment pas cool. Et ce méchant robot m'a attrapé le pied. Et comme par hasard, il y avait l'alien qui est venu une minute après. Enfin, une minute après, non, 10 secondes après. Et ça, c'était très très chiant. Et on doit rétablir toujours le courant. C'est toujours aussi très très chiant. Donc le robot était par là-haut. Vous croyez qu'il y a moyen de l'achever, ce petit bâtard là? C'est lui, hein. C'est lui l'auteur du crime. Ah mais attends, MDR, XPTDR, c'est pas là-bas que je dois aller par hasard? Non, pas du tout. Alors, j'aime bien me créer des petits suspense, parce que vous savez que dans suspense, il y a pence. Toujours aussi beau, hein, à ce que je vois. Fait du bien d'être... Oh la vache, mais putain de merde. Il y a une planète derrière une planète, mais c'est incroyable. Il y a trois planètes, mais il y a trop de planètes là. Elle est gigantesque cette planète. Hein. Il y a même une mini planète là-dedans. Dites donc, ça ne s'arrête plus l'évolution. C'est beau l'espace. Bonsoir. Est-ce que le téléphone bip ici? Réinitialiser le disjoncteur. Hein. Oui, bah oui, évidemment. Évidemment. Lui m'a fait peur. En fait, je me suis dit, il m'a vu, mais il n'avait pas encore moyen de venir. Il est totalement venu. Il est totalement venu à une vitesse plutôt assez, assez flagrante. Hein. C'est à cause du Molotov. Ouais, je sais pas c'est à cause de quoi, mais c'est à cause de... J'en ai pris plein la gueule, putain. Ok. Ok. Que j'en ai trop. Oh putain, ce bug. M'a fait stresser le con. Bonsoir. Ça va, monsieur? Ouais, sale journée. La vache, t'as pris quoi, frère? Ça lui a transpercé la gueule. Mais tu sais qu'en vrai, tu vois juste rien que ça, t'es choqué normalement à vie. Hein. Allez, les gars! On est reparti. De toute façon, moi, je suis venu ici que pour souder et dessouder, ok? Les aliens, ça m'intéresse trop peu. Je suis payé comme un smicard, mais bon, le boulot, c'est le boulot. Et j'aime bien prendre mon boulot à cœur. Putain, j'ai même pas pu saver. On peut séparer le labo de la station principale. Remettez-le en ligne et les systèmes pourront se reconnecter. Ok. Maintenant, je connais hein, les soudages, hein. Je sais que le métal brûle à 368 degrés. Putain, n'empêche, et il est tellement venu me chercher à une vitesse, je suis assez choqué. Choqué, mais clairement pas déçu, tu vois. Bonsoir. Ça va, toi? Sale journée, je comprends. Tu t'es bavé dessus, c'est dégueulasse. Thank you.
continuer notre petit bonhomme de chemin. Jamais 203, ben oui les gars. Non mais j'aime bien ce passage, c'est mon passage préféré dans le jeu. Donc je préfère le recommencer plusieurs fois. Normal de vous faire kiffer. Si je vous fais kiffer, je me fais kiffer avant tout. Méchant robot, ça, méchant robot. Bon, la première fois, j'ai pas eu de bol, hein, quand même, quand je me suis fait baiser. La deuxième fois non plus, parce que j'avoue que je m'y attendais vraiment pas. Bonsoir. Les petites téloches, c'est sympa ici, les trucs. Putain, mais par où il est passé pour me démonter la gueule? Ok, pas de problème. Quoi? On va éviter par ici, hein. Quand il y a du sang comme ça qui coule d'une aération où normalement aucun humain n'est censé être, ça sent pas bon. Oh la galère. Je suis mort. Fuite de matière dangereuse confirmée. Lancement de la procédure de sécurité. Oh là. Oh les problèmes. Attention, veuillez garder votre calme et rejoindre la sortie la plus proche. Les problèmes, toujours les problèmes. Si, dites donc, c'est feng shui. Oh, les problèmes. Bonsoir. Ah! Putain, ta mère. Bon, j'ai toujours des traites dans cette putain de vie.
soir. Oh là, la galère. Oh la galère. Attention, veuillez garder votre calme et rejoindre la sortie la jamais plus proche. Jamais été aussi calme. Veuillez rejoindre le sas le plus proche et attendre la notification pour réponse d'urgence. Jamais été aussi calme. Ayam d'un calme Olympia. Olympe. Oh, il faut. Oh, oh. J'irai de partir, monsieur. Bonsoir. Attention, veuillez garder votre calme et rejoindre la famille la plus proche. Gino Ben. Veuillez rejoindre le SAS le plus proche et attendre la notification pour réponse d'urgence. Oh non, j'ai une opportunité, mais il y a lui. Oh les fils de pute. Non, ça va, il est mort. Attention, veuillez garder votre calme et rejoindre la sortie d'un démarrage de la présentation du SAS. Wesh, c'est un cowboy, frère! Seulement été planté dans des films de cul. Thank you.
Arrêtez de dire personne fait ça, vous êtes des putains de jaloux. Je peux être enfin tranquille un petit peu là? Normalement, il n'y a pas d'alien là. Ok. Hop. Alors, tire nos fringues, les munis connus. Avec un peu de chance, j'ai pu emmener mon lance-flammé tout sur moi. Et ça, c'est cool. Voilà. Let's go. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ripley, c'est vous? Ouais, wait. C'est moi, espèce d'enfoiré. Vous m'avez enfermé. Vous avez éjecté le labo dans l'espace. Qu'est-ce que vous croyez? J'avais pas le choix. Vous avez vu cette chose? Vous avez vu ce qu'elle a fait? Il fallait que je la sorte de la station. Quel que soit le prix à payer. Ouais. M'utiliser comme un pas. Me laisser crever. Mais ça a marché, Ripley, merde! Ça a marché! Je l'ai eu, cette saleté! Je l'ai largué dans la géante galeuse! La station est en sécurité. Et il y a ça. Et il y a aussi la sécurité d'une ordure sans scrupules. Je retourne au bureau. On pourra reparler de vos méthodes quand j'y serai. Terminé. Ok. L'alien n'est pas censé exister, hein. L'alien est mort, ok? Alien is not a problem. Mettre à jour le soudeur. Bah ouais, bah ça ressemble à toutes les autres plaques, mais ça il sait pas ça. Alien is dead, ok? Qu'est-ce qui se passe ici? Y a pas un petit plan là? Il y a souvent des plans ici. Y a pas de plan. Y a pas de plan et qui dit pas de plan dit pas de plan. J'ai pas de plan. Avertissement. Apollo a élevé l'alerte du confinement du danger au niveau Oméga. Merci. Attends, c'était pas le début du jeu ça? Wow. In the eyes and Rangers. Wow. C'est où qu'on nique des mers? Là ça commence à me plaire petit. Je sais pas, on est vers la fin du jeu le chat. Vous pouvez donner un indice sans spoil, le premier spoil c'est ban hein. Genre un tiers, deux tiers, trois tiers, quatre quarts. Oh, ok, je suis rassuré. Un peu plus de la moitié. Ah, n'en dites pas plus. Mais bien sûr que c'est le début du jeu, putain, ça va swinguer, j'ai hâte. Attendez. Y a pas un petit point de save des familles, là? Parce que j'aime les familles. Quelque chose ne va pas, vous ne devriez pas être ici. Suivez-moi, je vous prie. Les gars. Ok. Va falloir comprendre que la loi, c'est moi. Oh non, j'ai plus de balles. Quelle vie. Ok. On y va. On y va, on y va, on y va. Ripley, Ripley, c'est Ricardo. Tu t'en es tiré? Pas grâce à Waits. C'est un salaud sans pitié. Ça date pas d'hier. C'est une grosse tête de moule. S'il avait pris la peine de m'écouter, on en serait peut-être pas là. Ce qui est fait est fait. Désolé d'avoir merdé avec le verrouillage. Ouais, quand je suis énervé, je mets des coups. Sortir au final. On se voit au bureau. Ah, c'est une déception. Une déception parmi tant d'autres, finalement, dans cette aventure. Quoi ce bruit, wesh? Les gars? C'était quoi ça? Restez sur vos gardes, cela ne me dit rien.
Ah, ok. Qu'est-ce que c'était la sécurité là-haut? Attends, actualiser la carte. Ça n'a rien actualisé. Bon, l'important c'est que ça soit actualisé quand même. Moi je comprends pas ça, bon bref. Non, c'est au rap genre. Oh non, la déception, putain. Ah bah alors là on a un problème. C'est par ici je suppose. Bonsoir. Bon ça déjà on peut faire. C'est mieux que rien. Hop. Ah. Grosse soirée pour monsieur, je peux comprendre. On vit tous des moments difficiles. Alors là les potes, j'espère pas avoir rencontré un nouveau bug, tu vois. Parce que là c'est problématique. Ça m'embêterait fort beaucoup. Ok. Ah bah oui. Je vais suivre le ref. Allez vas-y fonce. Putain j'aimerais ça chez moi. Un aspirateur comme ça, tout balèze là. Mais qu'aspire bien tu vois. Vraie question. Ok, maintenant que ça c'est ouvert, je vais aller save quand même. C'est ça en moins à faire. Et on sait jamais. Il aspire toute ta famille, je te jure. Attendez, bougez pas. Bougez pas. Excusez-moi. Hâte de dégainer mon plus beau revolver et de mettre des coups de revolvers. Toc. Très bien. Très bien. Inventaire quoi. Allez, go. Ensemble parce que c'est notre projet les gars. Les gars, 2014 ce jeu, hein. Oubliez jamais. Hein. Et ça c'est un... Oh quoi? Quoi? Comment ça mine V2 frérot? Ok. Je peux construire des mines là? Oh damn. Ok, on peut faire des mines. Il y a un problème avec ces putains d'androïdes depuis que je suis arrivé. Non, c'est autre chose. Ils ont abandonné leur poste. Je viens d'en voir dans une zone publique. C'est pas normal. Super. Fais gaffe à toi. Oh bah. Nickel. Nickel. Android, ça fait en plus. Ouais. Vache sympa ici, putain. On m'a pas invité. Ça fait du bien de se dire qu'il n'y a pas d'alien, hein, pour l'instant en tout cas. Ok, qu'est-ce qu'on a là, bibiche?
Hop, je prends. Sympa ce bar. Il a dû se passer des dingueries. Ok. On va save. On va save. Il est beau le jeu sans alien aussi, hein. C'est bien, hein. Oh non, fallait que j'aille en arrière. C'est ça ma vie de merde. Je vous conseille de passer par ici. Voyez-vous donc. Wait, c'est Ripley. C'est quoi l'histoire avec les androïdes? Aucune idée. Et le changement de statut de l'alerte? Bordel, j'en sais rien. J'essaie de contacter Samuels. Peut-être que lui, il sait à quoi est en train de jouer Apollo. J'aime pas trop cette histoire. Attends, parce que je suis sorti au calme, j'avais oublié que... Ok, on saura combien on a de plaques à la fin. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, faut pomper. Ok. Je suis allé là au hasard. Apollo a lâché les androïdes dans la nature. Ils attaquent à vue. Je comprends rien à ce foutoir. Ils sont pas en train de répondre à des violations de propriété. Et c'est comme s'ils étaient en train de chasser. Chasser qui? Tout le monde. Et personne. Bon, les problèmes? Secours. Encore les problèmes? Mais wesh, il arrive comme un Terminator aussi, lui. Abuse pas. J'ai juré, t'abuses, toi. Toi, t'es un forceur, toi. Bon, on peut bien les tuer, hein. Normal, le dos tourné. Oh là là, miséricorde. C'est les humains qui vont me casser les couilles maintenant. Mais pourquoi vous êtes aussi cons, les gars? Allez, on va s'arrêter là pour cet épisode 15. On sait au moins ce qui nous attend. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures. Peut-être jeudi, si tout va bien, on record un autre épisode. Sinon, mardi prochain. Allez, bisous YouTube. A très bientôt, à mardi, ou avant, je ne sais pas.